Salut les amis, c'est Juju la Pipelette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Playmobil. Allez, à plus. Les jumeaux au centre équestre. Oh, c'est le matin. Bon, allez Alexandra, il faut qu'on se lève. Mickaël, laisse-moi dormir. Bon, d'accord chérie, je vais me lever. Ah, une bonne journée qui commence. Oh, bon allez, je vais me raser. Ah, beaucoup mieux. Bon, bon, je vais descendre voir si les enfants sont réveillés. Apparemment, il n'y a personne dans la salle à manger. Ni dans la cuisine. Bizarre. Ah, j'ai bien dormi. Bon, tu viens? Ok, Mathis, j'arrive. Allez, Florian, dépêche-toi. Caca, maman. Ah. Maman, maman. Bonjour, Lily. Allez, viens, on va déjeuner avec les garçons. Quelques minutes plus tard, après le déjeuner. Maman, papa, j'ai joué dans le jardin. Moi aussi, je suis dans le jardin avec Florian. À chaque fois, tu me recopies, Mathis. Non, c'est pas vrai. Si, tu me recopies tout le temps. T'as qu'à pas commencer. Je suis très dur en miettes. Non, c'est moi. Ya. Pam, pam, dans ta figure. T'es moche, tête de moche. Ya, ya, c'est toi le moche. Ah, maman. T'es le moche, t'es méchant, ya. Oh, calmez-vous. Mais c'est pas vrai, ça. Arrêtez de vous battre. Stop. C'est bon. Stopping. Nada, stop. Oh, c'est bon, là, on a compris, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les garçons, chérie. Ils font que de se battre. Faut que tu fasses quelque chose. Arrêtez de vous battre. Sinon, punition. Voilà, problème réglé. Quelques minutes plus tard. Bon, j'ai pas bonne haleine. Je vais aller me laver les dents. Ah, cool. Florian, il est pas là. Il va pas pouvoir me piquer les brosses à dents. Bon, maintenant qu'on a déjeuné, je vais peut-être aller me laver les dents. J'ai pas bonne haleine. Hé, pourquoi t'es là? J'étais là en premier. Non, c'est moi le plus grand. C'est même pas vrai parce qu'on est jumeaux. Tu te casses. Tu me parles pas comme ça. Tu pèses d'un ton, microbe. Tais-toi, moustique. Ouah, ya, prends soin, ya. Aïe, ouïe, ya, ya. Les garçons, ça suffit. Arrêtez de vous battre. Moi, j'ai rien fait. C'est Florian qui a commencé. Non, c'est pas moi qui a commencé. C'est Mathis. Florian, Mathis, Florian, Mathis, Florian. Stop, criez pas. Sinon, punition. Tu nous as déjà dit ça. Tais-toi. Bon, vous faites que vous bagarrez. Les jumeaux, ça doit travailler ensemble. Vous savez quoi? On va faire un truc. On va aller dans un centre équestre et vous allez être obligés de travailler ensemble. Oh, ben c'est nul le centre équestre. Je connais rien aux chevaux, moi. Ouais, pareil. Eh ben, vous voyez, rien qu'en disant cette phrase, vous vous êtes trouvé un point commun. Allez, on y va. Je vais me préparer. Papa. Bon, chérie, on va aller en centre équestre. Au centre équestre? Mais j'y connais rien aux chevaux, moi. C'est ce que les garçons ont dit. Ça leur fait déjà un point commun. Bon, allez, on va se préparer. C'est pour qu'ils arrêtent de se battre. Ils vont travailler ensemble, ils n'auront pas le choix. Bon, je vais m'habiller. Voilà, c'est mieux. J'ai mis une tenue. Centre équestre! Allez, va t'habiller parce qu'il faut qu'on y aille vite, avant midi. Oh, ok. Bon, c'est vrai que je ressemble un peu à rien. Je vais m'habiller. Ah, vachement mieux. Bon, en plus, je me suis rasée. Allez, garçons, on va au centre équestre. Quelques minutes plus tard, une fois arrivés au centre équestre. Ah, nous y voilà. Nous sommes enfin à ce centre équestre. C'est drôlement grand, hein. Bon, allez les jumeaux, on va vous inscrire. Bonjour madame, on voudrait s'inscrire pour... 4, 3, 2, combien de personnes? Ben, 5 personnes. 3 enfants et 2 adultes. D'accord, 3 enfants, 2 adultes. Ça fera 50 euros. D'accord. Voilà madame. Parfait. Bon, ben, ma collègue va vous donner des chevaux. Hein. Bon. Le cours se passera à... Attendez que je regarde, dans une demi-heure. D'accord, merci madame. Oh, mais quel collègue c'est, il y en a plein des gens ici. Oh là là, je me demande de quel collègue parlait la dame. Aïe! Oh là là, je suis tombée dans le seau. Pouh. J'ai eu de la chance, c'était pas du crottin. Bon, elle est où cette collègue? Ah bah tiens, pile au bon moment. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Et je suis ici pour vous donner des chevaux. Les deux garçons derrière, ce sont vos enfants ?
Oui, ils n'ont juste pas très envie de venir. Oh, je comprends. Bon, je vais vous préparer des chevaux. Et Florian vient voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien, je te dis. Mais quoi? Waouh, le balèze! Ouais, moi je veux monter celui-là. Je suis trop cap de le faire. C'est même pas vrai, t'es même pas cap. Si, je vais monter dessus. Je vais ouvrir la porte. Hé, cheval, viens voir. Ah, tu vois, il est sympa. Moi. Ah, méchant. Mais lâche-moi. En plus, il rigole. Bien fait. Non, en fait, j'ai rien dit. Bien fait. Les garçons, non mais vous vous moquez de moi? Si je vous reprends encore une fois, vous êtes bannis de tablettes, de DS et de télé pendant 3 ans. 3 ans? Oh, mais c'est immense! On sera déjà mort d'ici là. Justement, c'est comme ça, vous obéirez. Allez, en avant et au boulot! Oh, et au fait, dépêchez-vous parce que la dame va apporter les chevaux. Oh, regarde! Il y a même le cheval qui est balèze. Voilà, donc je vous présente Tic et Tac, les deux poneys. Chapiteau et Circus, les deux grands. Et pour la petite, elle devra monter avec un de ses parents parce qu'on n'a pas de poney assez petit. D'accord, merci beaucoup. Ouais, merci. Je prends pas le immense quand même. Non, monsieur, vous inquiétez pas, vous allez prendre le petit si vous voulez. Ouais, merci. Quelques minutes plus tard. Waouh, c'est super. Ouais, c'est super. Oui. Doucement, Lily, hein, doucement. Allez, les garçons, c'est à vous. Bon, les enfants, bonne balade. Et surtout, soyez prudents. Allez, je vous laisse y aller. Ok, d'accord. Merci, madame. Ouais, super. Rien qu'à quoi. Allez, bonne balade. Quelques minutes plus tard. On serait pas perdu là? Je sais pas. Moi, je crois. Bon, pas grave. Bon, je crois qu'il y a un petit problème là. Oui, moi aussi. Bon, ben moi, je me tire. Et attends-moi. Je suis premier. Ça, c'est ce que tu vas voir. Eh ben non. Eh ben si. Mais ça va pas.